Quand on est un enfant ou un ado, et qu'on rencontre des amis de nos parents ou de la famille qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ces gens ont la manie de nous dire « Oh là là! La dernière fois que je t'ai vu, t'étais comme ça! Ça grandit vite, hein !» Vous imaginez pas à quel point cette phrase elle peut être énervante pour nous seuls? Vous imaginez si nous on vous répondait Mais oui, je m'en rappelle très bien. Mais à l'époque, t'avais encore des dents et des cheveux, qu'est-ce qui se passe? Non, vraiment, vous devez faire attention à la manière dont vous nous parlez, sérieux, parce que, mine de rien, à l'adolescence, on se pose beaucoup de questions. Moi-même, je me suis posé beaucoup de questions hein, sur mon physique, à commencer par mes cheveux. Là, rien de drôle pour l'instant, ok? Moi, j'ai compris que j'avais des cheveux pourris le jour où mon père m'a raconté de l'accouchement de ma mère. Tu sais, il paraît qu'il était là, il était stressé, il bougeait partout, il n'en pouvait plus, il était trop stressé. Et finalement, il a craqué, il est rentré. Et le docteur, j'en suis dit, dites-moi, est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille? Le docteur était en train de me tirer par les cheveux comme ça, il a dit, écoutez, monsieur, pour le moment, c'est un chou-fleur. Allez, foutez-vous de ma gueule. Allez, applaudissez-le. En plus, j'ai été chez le coiffeur il y a pas longtemps, j'ai été chez le coiffeur. Et allez-y, faites-moi des blagues sur mon coiffeur. À chaque fois que je dis ça, chaque fois les gens font « Ah, ton coiffeur !» Donc du coup, maintenant, je laisse un temps. Le coiffeur time. Hein. C'est à votre... Vous pouvez m'envoyer des vannes sur mon coiffeur, j'accepte. Quoi? Il est dans le move. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est une vanne ou pas. C'est pas une blague? Ah, c'est un compliment? Mais c'est pas le moment des compliments en fait. Là c'était. Mais c'est hyper gentil. C'est hyper gentil. Mais. Il veut qu'on discute. Bienvenue. Alors. J'ai envie de te dire bienvenue d'abord. Des vannes sur mon coiffeur. Ça m'intéresse parce que, comme tu sais, j'en ai entendu plein. Quoi? Là, il a pris un an de prison classique. 10 ans, on s'en fout. Il m'a changé. Je lui ai dit classique, il m'a dit bon, 10 ans. Quoi? Il est aveugle? Pas mal. Quoi? Il est resté trop longtemps à la cave. Il y a son pote à côté qui lui a fait « Ouais, tu l'as déchiré, bien joué !» Tu l'as déchiré, là. Il est resté trop longtemps à la cave. Ok. Ok, bien joué. Donc je vous disais, j'ai été chez le coiffeur il y a pas longtemps et en allant chez le coiffeur, j'ai fait ce constat. J'ai compris qu'avec les cheveux que j'ai, il y a 3 gestes capillaires dans ma vie que je pourrais jamais faire. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Ça sert à rien. Et le troisième, et c'est sûrement le pire, c'est celui-là. Oui.